Fun Radio. Enjoy the music. Comment ça va? Bien. Ça va. Bah moi aussi ça va, bienvenue au Kirkmanistan, comme tous les soirs, 19h07. Bienvenue. On est heureux, très heureux de vous accueillir avec une liaison très dangereuse que j'ai faite, parce qu'on ne dit pas on est heureux, on dit non. On est heureux. Et oui. Personne n'avait remarqué. Non, c'est toi qui décide de la langue. On dit on est heureux. C'est vrai. On peut faire une petite liaison quand même. Non. On est heureux. Tu fais ce que tu veux, d'accord, on les laisse pas t'intimider. Ah c'est vrai, on est heureux. Merci Florent Flan. Eh ben, je suis content que ça soit pas Florent, 19h-22h sur Fun Radio, parce qu'on serait bien chiant en tout cas. Ah bah ce serait une émission très grammaticale. On dit pourtant dans les hôpitaux. Et non, bah c'est une faute de français. On dit dans les hôpitaux ? Oui, il faut dire dans les hôpitaux. Comme Action Man, le plus grand de tous les héros. Oui. Pas les héros. Oui. Je pense qu'il y a comment ça m'énerve. Vous savez quoi ? Heureusement qu'il a fait des émules aujourd'hui. Je rappelle que depuis deux jours... Enfin, depuis hier plutôt. Le Kirkmanistan est un pays qui existe. Vous vous êtes inscrit en nombre, et quand je dis en nombre, on était même nous-mêmes surpris du nombre d'inscrits sur kirkmanistan.com pour demander votre carte d'identité, une vraie carte d'identité que vous allez recevoir chez vous du Kirkmanistan. Et continuez. On a demandé à Amir, notre producteur, qui est aussi ambassadeur du Kirkmanistan, d'appeler l'Elysée pour organiser une petite rencontre. Or, il s'est engagé à le faire. Or, il n'était pas dispo aujourd'hui. On a nommé un ambassadeur par intérim, qui est Florent, et qui a passé le coup de fil à sa place, c'est ça ? Oui, j'ai appelé l'Elysée pour simplement convier monsieur et madame Macron l'inauguration du pays, quoi. D'accord. J'y étais à deux doigts de les avoir. Bonjour, vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Présidence de la République, bonjour. Oui, bonjour madame. Florent, l'appareil, ambassadeur du Kirkmanistan. Je vous appelle en fait de la part de son Altesse Sérénissime Kirkman Ier. Normalement, c'est Amir le producteur qui aurait dû le faire, mais comme il n'a pas de parole, c'est moi qui prends son rôle d'ambassadeur, donc c'est moi qui. C'est pour ça que c'est moi qui vous contacte directement. Puisque, là, nous avons ouvert très récemment les portes du Kirkmanistan. Et donc, en fait, c'était pour convier monsieur Macron et madame Macron à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que ce serait possible peut-être de les avoir directement afin qu'on se... Directement, non. Je vais vous voir avec les secrétaires. Oui, merci. C'est sérieux, hein ? Excusez-moi, là, oui. je reprends l'appel. Je suis désolée, monsieur. Vous écrivez le pays comment ? Alors, C-A-R-T... C-A-R-T... M-A-N... M-A-N... I-S-T-A-N... I-S-T-A-N. Je suis désolée, hein. Non, il n'y a pas de problème. C'est un peu vexant, mais c'est pas grave. Ne m'inquiétez pas. Oui, alors ce que vous pouvez faire, c'est écrire à l'Elysée. Alors, le seul problème, c'est que donc nous, on est un pays qui est très jeune. Hein. Donc là, on n'a pas encore de service de poste très compétent, comme chez vous, finalement. Est-ce que je pourrais peut-être l'avoir directement par téléphone, histoire que... Je viens de vous dire que non, monsieur. Je vous appelle de la part de Kirkman Ier. Hein. De Kirkman Ier. Je vous souhaite une bonne journée. Parce que je vous parle du Kirkmanistan, hein, je ne vous parle pas de... Oui, mais je comprends bien. Monsieur. Alors, juste dernière chose, puisque c'est l'emblème de notre pays, peut-être vous pourriez faire le dindon. D'accord, très bien, monsieur. Au revoir. Comme ça. Vous pouvez faire le dindon. Il est très sérieux, j'aime bien. Il est très bon ambassadeur, ce Florent. Bravo. Notre première relation étrangère. C'est génial, hein. C'est de la diplomatie, finalement. Ouais, c'est de la diplomatie. Vous écoutez Fun Radio.